ونصل إلى فقرة سيرة فن، والتي يلتقي من خلالها الزميل صبح عطري مع أحد أبرز وجوه السينما الفرنسية التجريبية والمعروف عالميا بسلسلة بورتريهاتها سينماتون. نتابع سيرة فن مع جيرار كوران. جيرار كوران مخرج فرنسي يعد واحدا من أكثر صناع السينما المعاصرين غزارة في الإنتاج، حيث أنجز حوالي 300 فيلم وأفلام متسلسلة وتأملية وأخرى مجازة من صور فوتوغرافية ثابتة وفيلم يصوره منذ 33 عاما. Alors, les cinématons ont engendré d'autres séries de portraits qui sont des work in progress, comme portraits de groupe, couple, trio, cinéma, de ma chambre d'hôtel. Et puis aussi, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de courts-métrages, aussi des longs-métrages, qui sont souvent des recherches. Je fais également depuis mes débuts au cinéma ce que j'appelle des carnets filmés. C'est une sorte de journal filmé où je filme mes rencontres, je filme mes voyages, je filme mes impressions. سيد جيرارد، أنت صاحب تجربة سينمائية مميزة وصاحب تجربة سينما تون، أطول فيلم في العالم 156 ساعة. ما هي مواصفات هذه التجربة؟ من هم الأشخاص الذين كانوا معك في هذه التجربة؟ Quand j'étais jeune cinéphile, avant que je commence à faire du cinéma, j'allais beaucoup au cinéma, j'allais beaucoup voir des films à la Cinémathèque française à Paris. Et j'étais très étonné de voir très peu de documents, très peu de films sur des grands artistes du XXe siècle. Et cela m'étonnait beaucoup, des artistes qui étaient contemporains du cinéma, et souvent il n'y avait pas d'image cinématographique d'eux. Et donc voilà l'idée, je me suis posé beaucoup de questions, et je connaissais aussi beaucoup de poètes, des jeunes écrivains, des artistes, des cinéastes d'avant-garde qui étaient dans mon entourage, qui étaient des amis. Et je me suis dit, ça serait peut-être important de les filmer et de conserver une mémoire cinématographique de tous ces artistes qui m'entourent. Et peut-être que dans ceci, il va y avoir le futur Picasso, peut-être, ou le futur Godard. Et donc, voilà, c'est parti d'une idée de conserver une mémoire des artistes qui font les œuvres d'art aujourd'hui. سينماتون يعتبر أطول مشروع سينمائي متواصل في تاريخ السينما، ويتكون من بورتريهات صامتة وقصيرة لشخصيات عدة، منها من كان معروفا ومنها من أصبح مشهورا، ومنها على سبيل المثال جان لوك غودار، يوسف شاهين، ساندرين بونير وجاك لانغ. Le principe du cinématon, donc chaque personne est filmée dans un gros plan, un plan séquence qui dure 3 minutes et 20 secondes. Auquel on ajoute un petit générique. Donc un cinématon fait presque 4 minutes. Et il faut savoir que tout est conservé. C'est-à-dire que il n'y a pas une seule image qui a été enlevée. علمت أنك ستكمل سينماتون، تجربة سينماتون في الإمارات، واخترت بعض الشخصيات. هل ممكن أن نعلم من هم وعلى أي أساس اخترتهم؟ Bien entendu, quand je suis arrivé ici à Dubaï, je connaissais très très peu de monde, presque personne. Et donc c'était difficile pour moi de rencontrer des cinéastes, des comédiens du monde arabe. Et j'ai été beaucoup aidé par Salah Sermini, qui lui connaît tout ce milieu parfaitement. Il connaît tous les cinéastes, tous les journalistes, tous les acteurs. Et c'est lui qui m'a présenté à toutes ces personnalités. هل اطلعت على السينما العربية؟ وما رأيك في تجارب السينما العربية إذا كنت اطلعت عليها؟ Je ne connais pas très bien le cinéma arabe. J'ai vu, bien sûr, j'ai vu quelques films, notamment de Youssef Chahine. Mais j'ai eu aussi l'occasion de découvrir des films expérimentaux. Et donc j'ai été assez surpris de voir que il y avait aussi des chercheurs dans le cinéma. Même il y en avait au Liban, en Égypte, au Maroc, dans différents pays. Et
Donc c'était une excellente surprise pour moi. ما هي المشاريع المستقبلية لجيرار؟ En général, je n'ai pas de projet puisque je filme tout le temps. Donc je suis un peu à l'inverse des cinéastes normaux, entre guillemets, qui eux attendent souvent assez longtemps de l'argent pour pouvoir faire un film. Ils ont des projets qu'ils traînent pendant quelquefois des années. Là, au contraire, c'est sans arrêt, je suis dans une dynamique de tournage perpétuelle. Je filme comme je respire. Thank you. وبما أن مشروع سينماتون لن يتوقف وما زال مستمراً، فحظيت أنا بفرصة أن أكون جزءاً من هذه السلسلة ليصور مع جيرار 3:20 أمام عدسته في أطول فيلم سينمائي في العالم. شكراً لزميلي صبحي.